Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 12 avril, Quinté Plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix aux ourneaux, traditionnel handicap qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. J'ai placé en tête de mon pronostic le 7 Caillot de Paille et le numéro 10 Lovely Valley. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 2e et 4e d'une épreuve de même facture, le Quinté Plus prix prédicateur. Disputé le 18 mars sur le parcours qui nous intéresse, et ce en terrain lourd, il devrait pouvoir répéter. On le rassociera dans cette course numéro 6, Angel Share, qui vient de s'imposer pour sa rentrée en steeple, mais qui a également des références à faire valoir dans les handicaps de ce genre. On l'a vu l'an dernier s'illustrer à ce niveau. Le numéro 1, Les Beaufs, vaut mieux que sa prestation enregistrée dans le Quinté Référence prix prédicateur, un cheval qui a gagné groupe 1 en plat, le prix Royal Oak par le passé, et qui avait également pris la deuxième place du prix François de Ganay, un handicap de même facture disputé courant novembre sur ce parcours. Je retiendrai ensuite le numéro 8, c'est Didit qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 6 derniers parcours. Il reste sur un succès sur les haies nantaises et revient ici à Auteuil avec des ambitions. Le numéro 9, Square Bourgeon, mérite également une mention favorable. C'est un cheval qui avait gagné le prix François de Ganay en 2016, en novembre 2016. Ensuite, il a longtemps été tenu écarté de la compétition. Il vient de faire une rentrée honorable 4e. Mieux vaut donc s'en méfier. Il a le potentiel pour briller à ce niveau. Il l'a prouvé. Attention également au numéro 5, Coûteuse. C'est le point d'interrogation au départ de cette course. 3 courses en haie, 2 places 2e, une victoire à Auteuil en mai 2017. Elle n'a pas été revue depuis, elle débute dans les handicaps, mais vu le sérieux de l'écurie, il serait imprudent de l'écarter, tout comme le numéro 12, Eternal Army, qui a montré de la qualité en plat. Il a gagné Quinté en plat l'an dernier, il a également bien fait cet hiver sur les haies paloises. Malheureusement, il manque encore de référence sur les haies d'Auteuil, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Résumé chiffré pour ce Quinté du jeudi 12 avril, 7, 10, 6 As, devant le 8, le 9, le 5 et le 12. Suit du programme à Auteuil, dans la cinquième j'aime beaucoup le 512 ensoleillé. Le cheval a chuté pour ses débuts sur les obstacles dernièrement à Saint-Brieuc, mais ce jour-là, il allait très librement et à mon avis, il n'aurait pas été loin de la vérité. Il faut le racheter, c'est un cheval de qualité. On lui associera le 14, Épervier, qui lui n'a pas assez manqué ses débuts en plat. Il a gagné et débute ici sur les obstacles avec des ambitions, le 512 et le 514. La suivante, le 609 Device, sera l'attraction de cette épreuve. Device, c'est déjà 15 victoires en 23 courses courues, un multiple lauréat de groupe à Auteuil, deuxième également du Grand Prix d'automne, un groupe 1 fin novembre. Et pour ses débuts sur le steeple, il s'annonce redoutable. Je lui associerai son compagnon d'entraînement, le 605 Ponche Nantais, lui aussi confirmé au plus haut niveau. 609 et 605, deux chevaux de qualité au départ de cette sixième course du programme. Le Mans, Réunion 2, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Hugues Levesque. Il présente le 214 Divine de Liton, elle vient de s'imposer au monté à Chartres, elle devrait pouvoir répéter dans ce lot, les braves et relativement régulières. Mais attention également au 207 Destinée de Liton qui reste sur une série d'échecs. Elle est meilleure que Divine de Liton, au dire de son mentor. Elle est plus grande, plus lourde, plus difficile à entraîner, plus délicate également. Mais en valeur pure, elle n'a rien à lui envier et elle montre du mieux à l'entraînement. J'ai senti un entraîneur pas négatif du tout si ce 207 Destinée de Liton refaisait parler d'elle. Dans cette compétition, il convient donc de s'en méfier. Donc attention à l'écurie Lévesque dans la deuxième, 14 et 7 pour la deuxième course. La cinquième, attention aux 500 Helios de Minel. Cyril Rimbaud, l'homme de confiance de Séverine Raymond, m'a dit du bien de ce cheval. Un cheval qui n'est pas précoce mais qui a de la qualité. Le cheval reste sur un succès à Reims, s'il peut confirmer dans ce lot. On lui associera le 503, c'est Ever Dream Music, qui reste sur 3 victoires, 2 à droite, 1 à gauche. Donc le 501 et le 503. Deux sujets d'avenir. Dans la sixième, on fera une nouvelle fois confiance au 607 Doris de Bassière. Souvenez-vous, Philippe Bazir, dans notre rubrique des interviews, était confiant avant qu'elle ne s'impose à Graigne. Elle a confirmé dans la foulée en s'imposant à Cherbourg. Elle devrait pouvoir répéter sur cette piste du Mans. C'est le 607. Donc voilà pour les infos de ce jeudi 12 avril au Mans. Concernant Borély Réunion 3, j'ai deux courses ciblées. La quatrième, 401 Efran, qui a gagné avec de la marge courant février sur le tracé qu'il retrouvera ici. Il devrait pouvoir répéter, associer lui le 404 Mister Satchmo, un cheval régulier. La septième, attention, 706 Cayenne, deuxième de cette course l'an dernier. Elle semble en mesure de faire aussi bien, voire mieux. On lui associera le 702 Boxer, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie pour sa rentrée. 706 et 702, ça c'est à Borély Réunion 3. Petit mot également sur La Soie Réunion 4. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Rémi Mourlon. Il aura plusieurs partants. Sa meilleure chance de la Réunion reste donc le 401 Élite de Bas. C'est un mal engagement pour elle. Elle sera pieds nus. Elle est en forme et l'entraîneur serait déçu si elle ne jouait pas les premiers rôles. Donc La Soie Réunion 4, attention 401 Élite de Bas. Rémi Mourlon, l'entraîneur, est confiant. Voilà pour les infos de ce jeudi 12 avril. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain.